Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite Hello Kitty cupcake. Pour ce tuto, j'ai utilisé du talc, un moule à cupcake, un clou à tête plate, du blanc paillette, du jaune, du menthe, du noir et du rose clair et un petit porte-clés. Et mes outils de modelage. Je prends un bout de pâte menthe, je fais une boule, puis je talque mon moule pour que la pâte n'adhère pas, puis je mets ma pâte dans le moule. J'aplatis bien, puis à l'aide d'une lame, je vais retirer l'excédent de pâte. J'aplatis bien, je lisse. Après, je réalise la tête d'Hello Kitty, donc une boule que je viens fixer au milieu, légèrement ovale. Après, je viens mettre mon clou à tête plate. Là, je vous montre juste comment j'ai démoulé mon cupcake. Après, je viens réaliser les oreilles. Donc, je vais former un losange. Je vais couper en deux et je vais bien placer les oreilles d'Hello Kitty de chaque côté. Après, je prends mon aiguille et je viens fondre tout ça. Voilà, maintenant je vais réaliser les yeux. Donc, je forme deux trous légèrement ovales comme ça et après je vais prendre du noir. Je viens former les yeux d'Hello Kitty. Donc deux ovales que je place avec mon dotting tool. Après, je viens réaliser des petits cils, c'est facultatif. Donc des très très fins boudins, j'en mets deux à chaque œil. Que je place avec mon outil en silicone. Après, je viens marquer le petit nez, donc un petit trou. Je prends de la pâte jaune, je fais une petite boule légèrement ovale, je prends un petit peu de suivi liquide pour que le nez tienne bien et je le place au milieu du visage. Après, je viens réaliser les moustaches d'Hello Kitty. Donc, je les ai fait 3 de chaque côté. Je vous conseille de les faire en même temps pour qu'elles soient de la même taille et de la même épaisseur. Après, je viens les placer sur le visage d'Hello Kitty. Et voilà. Maintenant, je vais réaliser les pattes de Hello Kitty. De chaque côté. Voilà, je place les petites pattes avec un petit peu de fumo liquide que j'aplatis un petit peu. Je prends mon aiguille pour faire une petite fente sur les pattes. Maintenant, je vais réaliser le nœud. Je prends du rose clair. J'ai bien formé deux petits triangles de pâtes de même taille. Après, je prends mon dotting tool et je viens faire deux trous dans la pâte. Nettoie un petit peu, j'arrondis un peu les bords et un petit peu de fumo liquide. Et je viens fixer le nœud.
je reprends une petite boute de pâte rose et j'aplatis un petit peu. Voilà, Hello Kitty est terminé. Je vous montre le résultat final monté en porte-clés. Au revoir et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!